Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau concept sur cette chaîne. Comme vous pouvez le voir, on retourne avec ce petit fond avec le puzzle Détective Conan, et comme vous le savez, depuis le mois d'août, j'ai repris cette série, et chaque mois j'achète tout ce qui est manga, goodies, etc., etc. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de vous faire une vidéo mensuelle où je vous présenterai mes achats, ou tout simplement vous les montrer un peu de façon rapide, dans un petit format 4-6 minutes à peu près. Et donc voilà, on va pouvoir commencer avec le mois de mai où j'ai acheté en tout 4 mangas et aussi des cartes Yu-Gi-Oh! Puisque les cartes Yu-Gi-Oh! C'est aussi un univers que j'aime bien. Avant je faisais des tournois et depuis peu, depuis un mois à peu près, je m'y suis remis à essayer d'en faire un toutes les 2 semaines à peu près. Et donc on va pouvoir commencer avec le tome 30 et le tome 31 de Détective Conan. Alors pour le tome 31, je ne le connais pas encore énormément, je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Et aussi au niveau des animés, j'en ai vu aucun, puisque à partir de l'épisode 280 à peu près, c'était à partir de cette période-là où j'avais commencé à arrêter de les regarder. Et ensuite, comme j'ai pu vous le dire, depuis le mois d'août, j'essaye de refaire une mise au point, sauf que je préfère privilégier les gros épisodes, les épisodes d'1h30, 45 minutes, où vraiment j'essaye de regarder quels sont les épisodes les plus intéressants. Et donc dans le 31, je ne pense pas qu'il y en ait en tout cas, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder les animés qui faisait référence à ce manga. Sauf que pour le tome 30, c'est vraiment le tome l'un des plus intéressants, puisqu'à l'intérieur, nous avons la première fois où nous allons parler du boss d'organisation des hommes en noir, donc Reinyaka Lasuma, où je vais essayer de vous retrouver assez rapidement. Voilà, la petite image, où nous voyons Reinyaka Lasuma avec sur son dos un corbeau, plus une petite pièce, un petit symbole du corbeau. Tout ça dans un fond assez noir, puisqu'en même temps, le noir est la couleur symbolique d'organisation. Donc voilà, et c'est en même temps, c'est grâce à ce tome, vraiment je l'attendais beaucoup, puisque je vais prendre quelques photos pour essayer de faire mon montage lors de ma prochaine vidéo qui s'appellera Différence entre l'anime et le manga, où j'ai pu réussir à trouver quelques scènes qui divergeaient entre les deux. Ensuite, à part Détective Conan, j'ai aussi commencé une nouvelle série, mais bon, qui ne diverge pas énormément. Nous avons Magic Kaito, dont j'ai acheté le tome 1 vers à peu près le 2 mai, et Magic Kaito numéro 2 que j'ai acheté vers le 15. Donc ce qui est bien avec Magic Kaito, c'est qu'en plus que le personnage soit vraiment super cool, c'est une collection qui se fait assez rapidement, il y a seulement 5 tomes. Donc d'ici 2-3 mois, si je suis pas trop radin, et j'aurai la collection entière. Et aussi, ce qui m'a fait acheter ce tome, excusez-moi, je vais aller le chercher juste rapidement. Un peu de boucan, ça fait du bien. Voilà, hop, directement dans ma collection, c'est tout ça en direct. J'ai aussi acheté Magic Kaito, surtout parce que lors d'un petit achat, j'étais allé à la Fnac et j'essayais de chercher qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. J'avais trouvé ça et c'était le seul manga qui était emballé. Et hop, quand on le retourne, on pouvait voir un petit extrait où je crois que c'est seulement le chapitre 1 et 2 de Magic Kaito. Et je l'avais lu et je me suis dit, pourquoi pas commencer cette série. Ensuite, à part Magic Kaito, et là, nous allons pouvoir commencer pour les connaisseurs à Yu-Gi-Oh! Donc, ce mois-ci, j'ai remis un peu mon nez dans mes cartes et j'ai retrouvé certaines cartes comme les crânes serviteurs qui étaient à l'époque les cartes les moins chères, les plus nulles. Il y avait juste une petite combo avec le roi des crânes serviteurs. Vous inquiétez pas, lors du montage, je vous mettrai tout ça en gros. Alors, le crâne serviteur à l'époque, c'était vraiment une carte assez nulle et je me suis dit, est-ce qu'ils auraient rajouter de nouvelles cartes pour essayer d'améliorer un peu cet archétype. Et j'ai réussi à trouver en 3 exemplaires sur eBay, pour 1€ seulement, la princesse des crânes serviteurs, qui est vraiment une carte hyper cool, puisqu'en plus de que son nom est crâne serviteur à l'intérieur, elle va permettre d'améliorer tout ce qui est roi des crânes serviteurs, puisque celui-ci gagne 1000 points d'attaque pour chaque crâne serviteur dans le cimetière, tout comme la veuve, donc en tout ça fait plusieurs exemplaires. Je sais qu'à part la princesse, nous avons aussi le prince et le cauchemar, mais malheureusement, soit ils sont trop chers, ou soit j'ai pas encore réussi à les trouver, puisque je crois que c'est à peu près 8€ la carte, donc payer 24€ pour avoir 3 exemplaires, ça pique. Ensuite, à part les crânes serviteurs, nous avons le meilleur archétype pour ceux qui le connaissent. Bon, c'est pas non plus le plus compétitif depuis, il se fait un peu casser en deux. Ce sont les 6 samouraïs. Donc c'est le deck que j'utilise lors des tournois, et c'est vraiment un deck que j'adore. C'est celui que j'utilise vraiment depuis des années, donc depuis 2011 à peu près, je ne l'ai pas lâché du tout. Donc, avant j'avais l'ensemble des 6 samouraïs légendaires, et depuis j'ai pu voir qu'en novembre ils ont sorti 6 samouraïs, donc ce sont les 6 samouraïs secrets, donc je les ai tous achetés. 3 exemplaires
de 6 samouraïs secrets d'Oji. Ensuite, nous avons un seul exemplaire de Fuma, celui il était assez cher. 3 exemplaires de Gemba, un exemplaire de Kizaru, et enfin 2 exemplaires d'Atsume. Donc celle-ci, elle est sous pochette, en plus sa pochette elle est vraiment super belle, puisque je l'utilise pour mon deck en tournoi. Donc si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas encore quitté la vidéo et qui aiment bien Yu-Gi-Oh, je vais vous le montrer assez rapidement. Donc ça c'est la carte emblématique de ce deck, je vais vous le montrer assez rapidement. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à faire pause. Donc chaque semaine, comme j'ai pu le dire, toutes les deux semaines plutôt, j'essaye de faire un tournoi et donc à chaque fois que je rentre, j'essaye de l'améliorer un peu pour faire face aux différentes aux différents decks qui peuvent venir contre moi. Donc ensuite l'extra deck qui est pas non plus ultra ouf, 2-6 samouraï chien, hop, hop, hop. Voilà, voilà, moi je joue vraiment à l'ancienne, tout ce qui est carte lien et tout, je ne suis pas encore ultra fan. Bon déjà j'en suis au X6, donc on peut dire que je ne suis pas trop à la ramasse. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce genre de format vous plaît. En tout cas, j'espère que la luminosité sera plutôt bonne, puisque là nous sommes dès le matin et puis comme il fait assez beau, au moins tout ça peut être illuminé assez convenablement. Donc il y a aussi quelques voitures qui passent, mais j'espère que cela ne gênera pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et sur ce, peace.